Sexy Sexo de Priscilla Lio. Priscilla, chaque semaine, on récupère des questions d'auditeurs qui s'interrogent sur leur sexualité. Et là, on a reçu un message de Bruno, Bruno 23 ans, qui Bruno nous demande... Guillaume, on l'embrasse. Non, pas... ma copine... Ça finira par grossir, Bruno, ne t'inquiète pas. Je suis encore jeune. Donc Bruno, Bruno, 23 ans, qui nous demande « Ma copine ne peut pas s'empêcher de regarder son téléphone quand nous faisons l'amour. Oh, que dois-je faire ?» Priscilla, est-ce que tu as une réponse à sa question? Alors, tout d'abord, je voulais te dire, Bruno, que tu n'es pas seul dans ce cas, puisqu'il y a une personne sur cinq. Mais et c'est un fait très grave, puisque pendant l'amour. C'est gênant. Ah bah moi, je n'utilise que le smartphone. Pour faire l'amour. Et la main droite. C'est pas un gros souci, en fait. Il suffit juste d'en parler. Bah de mettre le mode vibreur. De l'éteindre. Ou mettre le mode vibreur. Alors, ça dépend que tout le monde en profite, c'est ça. Voilà. Non, mais surtout, il faut bien en parler avec sa partenaire, et ou ça ou son partenaire, parce que ça touche les femmes comme les hommes. Mais bien préparer le... En fait, il y a tout un rituel à faire. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire. Alors, le rituel, c'est de mettre tout d'abord en mode avion son téléphone pour pas qu'il y ait de son. On met en mode avion. Ensuite, même si on a un appel à urgence, ah non, mais attend. C'est là que ta mère t'appelle pour moi. Il faut se concentrer à ce moment-là sur son ou sa partenaire. C'est très important parce qu'en fait, l'amour, c'est justement l'acte sexuel et justement un moment de partage. Donc vous ne pouvez pas vous dire oui, mais j'attends un appel. Il faut partager ce moment-là qui va durer 5 minutes pour la plupart d'entre nous. Ah bon? Non, mais sincèrement. Ça, c'est quand je suis enfant. On était un homme pressé. Parle bien dans le micro. Il faut bien donc le mettre dans une, soit dans une autre pièce et de préférence dans un objet, une couverture. Ah, tu parles du téléphone. Le téléphone. Hein. Donc, j'ai perdu un peu le fil. Le téléphone. Parce qu'en fait, le fait d'entourer cet objet fait que votre partenaire va se dire vraiment je le mets de côté. Voilà, c'est ça tout le faut rituel. Pas qu'il le voit. Très important. Et bien sûr d'en parler en disant voilà, écoute, ça me gêne énormément, est-ce que tu peux le faire? Et si vous le faites pas, je vous rappelle qu'il y a 30% des couples qui se séparent à cause de ça. J'ai pas attendu le smartphone. Est-ce que vous le faites? Non, je fais pas du tout ça pendant l'acte. En revanche, il m'est arrivé, je le confesse, je l'assume, de me lever rapidement pour noter une idée que j'avais peur d'oublier. Parce que moi, j'ai des problèmes de concentration. Je suis toujours en train de penser à plein de trucs, même à ce moment-là. Et la créativité, des fois, t'as la bonne idée qui arrive à ce moment-là. Max Boublif sera très ravi de savoir que vous pensez à lui pendant l'acte. Excuse-moi, chérie, j'ai un petit truc à noter. Et vous retirez. La technique, elle demande trop d'infos. Elle veut le château. Elle veut le château. Elle veut la châtelaine. Quelqu'un d'autre utilise son téléphone pendant l'amour? Qui l'a déjà fait ici? J'avoue, ça m'est arrivé une fois. Anthony, ah ouais déjà... Non, mais j'ai pas fait exprès. C'est parce que. J'ai pas fait exprès. Ah, vas-y, développe, c'est intéressant. C'est pour la sonnerie. Bah, il y a quand même Wally. Bah voilà, en fait, je n'avais pas utilisé tes conseils, j'avais pas mis mode avion, il a sonné et j'étais en stress parce que j'attendais un appel important et voilà, j'ai fait cette erreur. Effectivement, mais je l'ai fait qu'une fois. Comment est-ce que t'as prononcé ton. Allô? Non, j'ai fait attends. Allô? Ouais, c'est le jogging. Tu reprends. Je suis en train de faire le jogging. J'ai repris mon souffle. C'est ça. Anthony, ça te parle? Ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune et pas amoureux. En plus, je t'avais. Il y avait le téléphone portable. Non, mais. T'avais déjà un téléphone? Il te fait pas ça. C'était ton Taki Walki quand t'étais petit avec la grande antenne. Exactement, ouais. Mais non, je supporte pas le portable dans le couple. Et c'est un vrai sujet à la maison. Ouais, je suis d'accord. Donc, je suis pour pas le portable dans le cul. extrêmement désagréable. Bah, c'est-à-dire que ça coûte cher maintenant. Tu vois, je veux dire, si tu le retrouves pas, t'es dans la merde. Non, super. Excuse-moi. Bruno, j'espère qu'on t'a. Bon, merci beaucoup Priscilla pour ces conseils. La prochaine fois. Mais vous qui vivez tout le temps avec votre portable, vous devez. Comment ça vous doit faites être dur pour vous, non? Eh ben, je vous avez des AirPods. Ah, oui. Vous faites l'amour avec vos AirPods. Je le pose, je mets en route mon enceinte Bluetooth. Ouais. Et il y a Alexa qui lit vos messages en même temps. Et le pire, c'est quand je dis Siri, et le truc se met en route. Ah, c'est horrible ça. Et t'as un pendant appel le. Je peux vous raconter un truc rigolo. Se met en route. Vas-y. Ce matin, j'étais en train de faire des abdos. Non mais stop, Cristiano Ronaldo. Non, attends, je comptais
Et j'en chiais, je devais en faire 20. Et j'ai fait ah, 18. Siri a dit j'appelle les pompiers. C'est vrai. Ah oui, j'étais en train de geindre 18 et Siri a dit appel d'urgence, voulez-vous que j'appelle le 18 pompier. Et un pompier est rentré chez vous Non, non. C'est marrant. Avec une hache. Calme-toi. Avec une hache. De quoi? C'est mieux qu'un tuyau.